Et maintenant, je vais projeter une lumière sur les exercices que vous êtes en train de faire chaque matin. Comment les initiés comprennent les choses? Alors, tout ce que nous faisons, s'il est lié avec les trois mondes, non seulement dans le monde physique, matériel, mais lié maintenant avec l'âme, ça veut dire avec un sentiment, oui, qui est d'une autre puissance, et après de le lier avec le monde mental, d'avoir une idée, une pensée. Et comment alors là on peut faire les choses de cette façon dans les trois mondes pour que ça soit efficace? Quand la parole devient puissante, alors, quand elle est liée avec un geste, avec un sentiment, avec une pensée, avec une intention, avec une volonté, vous commencez les gymnastiques. Que toutes les bénédictions du ciel se déversent sur moi et sur la fraternité. Pour la gloire de Dieu, de nouveau, six fois comme ça. Que toutes les bénédictions du ciel se déversent sur moi et sur la fraternité. Ce moment-là, vous déclenchez déjà les bénédictions. Et quelques temps après, vous commencerez à les sentir. Et même les autres commenceront à les voir. De cette façon, vous aidez la fraternité. Toutes mes cellules soient magnétisées, vivifiées, ressuscitées pour la gloire de Dieu. Que toutes mes cellules soient magnétisées, vivifiées et ressuscitées pour la gloire de Dieu. Que je puisse nager dans l'océan de la lumière céleste. Que je puisse nager dans l'océan de la lumière céleste pour la gloire de Dieu. Toujours pour la gloire de Dieu. Pour rien d'autre. Oh là, c'est marqué, c'est noté en haut. Il vous observe. Il dit, voilà un ouvrier qui travaille pour la gloire de Dieu. Vous êtes noté quelque part. Que tous les liens diaboliques soient coupés, rompus. Tous les liens diaboliques soient coupés. Tous les liens diaboliques sont coupés. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu.
que l'équilibre absolu, l'équilibre parfait s'installe en moi pour la gloire de Dieu. Et si à ce moment-là vous pensez à d'autres choses, vous allez tomber. Comme je disais un jour, l'équilibre risque dans le cirque, tout ça. Et si alors ils commencent à faire des choses, ils ne réussissent pas, ils tombent, ils se cassent, ils sont morts. Il faut qu'ils soient complètement concentrés seulement sur une pensée, qu'il n'y a pas d'autre chose. Autrement, on perd l'équilibre. Parce que le centre de l'équilibre se trouve dans les oreilles. Et les oreilles sont le symbole de la sagesse. Alors il faut être très raisonnant pour pouvoir garder l'équilibre. Pour garder l'équilibre, il faut être très intelligent, de ne pas transgresser certaines lois pour basculer les choses. Tous les ennemis de la fraternité blanche universelle, qu'ils soient éloignés, chassés, rejetés, ou alors si vous voulez, parce que les ennemis de la fraternité, ce n'est pas les hommes et les femmes, ce sont des esprits, et alors on a le droit de les chasser, on a le droit même, certains de prendre, qu'ils soient pulvérisés. Et après on dit, voilà, qu'ils disparaissent. Qui s'évanouissent, qui disparaissent pour toujours, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et après, la souplesse, que la souplesse s'installe en moi, pour la gloire de Dieu aussi, d'être souple. Et même de se pencher très en arrière sans tomber, jusqu'à, on ne tombe pas. Ça, il faut s'exercer. Toutes les bénédictions du ciel se déversent sur moi et sur la fraternité. Alors là, on pense à la fraternité.